dois être vigilant et en même temps ferme. Parce que si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas attaché à Jésus, les gens peuvent te distraire. Alléluia. Les gens peuvent te distraire. Peuple de Boisflay, que le Seigneur te bénisse. Tu vas prendre le livre de 1 Corinthiens. Oui, non, prends là. Philippiens 4, verset 9. Tu as trouvé, tu dis l'homme de Dieu, je te lis debout. Philippiens 4, verset 9. Verset 9. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons appris de la saine doctrine? Qu'est-ce que nous avons appris? Ce que on a appris de la saine doctrine, dans la saine doctrine, ce qu'on a appris de Jésus revient. Le Seigneur nous demande ce soir qu'on doit faire quoi? Pratiquer. On doit pratiquer. Et on doit vivre selon ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai donné le thème. J'ai dit, soyons tous fermes dans la marche chrétienne et dans la saine doctrine. Alléluia. Amen. C'est le dernier réveil que vous voyez. C'est pourquoi s'il y a des questions, si tu vois des choses sur les réseaux sociaux, mon frère, ma soeur, demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais rien où le Seigneur va te montrer, si tu te disposes, le Seigneur va t'envoyer un peu sur Moïse. Quand Moïse, le Seigneur l'a envoyé à faire sortir le peuple d'Israël, vous allez voir que le parcours de l'homme de Dieu, le patriarche Moïse, a été difficile. Pourquoi? Parce que la rébellion sur rébellion. Vous voyez un peu? Rébellion sur rébellion jusqu'à... Moïse était allé à la montagne. Au retour, ils ont fait autre chose derrière lui ici. Il y a eu beaucoup de choses. Donc ce réveil-là, si tu veux bien comprendre ce réveil, il faut lire beaucoup le livre de Moïse, Deutéronome, Genèse, tout ça. Il faut lire beaucoup ces passages-là, tu vas comprendre beaucoup. Parce que quand j'ai vu certaines choses et j'ai interrogé le Seigneur m'a envoyé sur Moïse. Parce que c'est le dernier réveil, le dernier bateau qui est là. Donc ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Quelqu'un qui va venir s'asseoir pour dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est le dernier réveil. Si quelqu'un vient t'asseoir pour dire non, il y a le trouble dans l'église, donc moi-même, non. Si ton papa a moins des enfants et qu'à un moment donné, on voit que papa est en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes, donc tu vas dire qu'il n'est plus ton papa. Ou bien, il est toujours ton papa. Donc si tu es dans la maison de Dieu et que des choses commencent à venir, prie pour que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi dis à ton voisin ce soir que personne ne peut m'enlever dans la saine doctrine. Personne ne peut m'enlever dans la saine doctrine. Alléluia. Amen. C'est le dernier réveil. Donc si on est venu, je suis venu de Yamoussoukro pour vous vraiment vous encourager. Après la délivrance, on a passé plus de 2 ou 3 heures dans la délivrance. Vous voyez un peu, ça s'est bien passé. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. Amen. Donc, ce sont-là, on vous encourage de demeurer et de lire aussi la Bible. Amen. Parce que si tu ne lis pas la Bible, quelqu'un va se lever le matin, il a mangé, il est rassasié, il va dire que le Seigneur me dit que Jésus n'est plus dans ce réveil. Vous voyez un peu, parce que tu n'es pas spirituel, tu vas attraper ça, tu dis oui, c'est vrai. Non, non. Quel Dieu tu n'es plus dans ce réveil? C'est toi, il n'est plus avec toi? Ou bien il n'est plus dans le réveil? Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie ce soir. Amen. Tu vas prendre un autre verset encore. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même. Alléluia. Maman, nous tous qui sommes là, nous avons besoin, nous voulons être sanctifiés. Mais bien aimé, tu ne peux pas te coucher à la maison et puis le Seigneur va venir te sanctifier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toute chose, pour que le Seigneur vienne t'aider, pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie, il faut toi-même bouger d'abord. Faire le premier pas et le Seigneur va faire le reste. Donc ce qui va t'empêcher, veut t'empêcher d'aller au ciel demain, c'est le diable qui est en train de faire ça. Maintenant, si tu veux abandonner ces choses, lève-toi. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de ça. Aide-moi. C'est là que le Seigneur va t'aider. Sinon, si on a chassé l'esprit de vol en toi, l'esprit de vol est parti. Et que il va tourner, il va revenir encore pour voir sa maison. Maintenant, s'il vient et que tes deux bras là, tu n'arrives pas à bien garder, que tu veux prendre la chose, il va s'asseoir encore en toi. Donc que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, c'est quand tu vas prendre la résolution pour dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais être avec toi. À partir de maintenant, je veux que tout ce qui est en moi, qui n'est pas de toi, quitte en moi. Et vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu un peu à la délivrance comment le Seigneur s'est manifesté. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Parce que quand on l'invoque dans ce réveil-là, il se manifeste. Amen. Et les esprits qui sont partis, on a prié, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Alléluia. Amen. Prends le 1 Jean 2, verset. Pardon, 2 Jean 1, verset 9. 2 Jean 1, verset 9. Alléluia. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Alléluia. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si vous remplissez l'église de Boisflé, vous êtes 1000. Et puis vous tous, vous êtes en pantalon, vous êtes en mèche, vous avez porté les boucles d'oreilles. C'est vrai, vous êtes beaucoup, mais personne n'ira au ciel. Amen. Pourquoi il dit, si vous demeurez, il dit quoi? Relis. Il dit, quiconque va plus loin. Va plus loin. Et ne demeure pas, dans la sainte doctrine de Christ. De Jésus-Christ. N'a point Dieu. N'a pas Jésus-Christ. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si vous êtes 4 ici, 5 ici, 6, 10 ici, 20 ici, bénissez toujours le Seigneur. Amen. Ceux que vous évangélisez qui ne viennent pas d'abord pour le moment, laissez-les. S'ils sont pour Jésus, ils vont venir. Amen. Que les églises Mabré, les églises qui sont carolées où on joue batterie, où on tape tout, ne vous disent pas. Amen. Sachez Amen. Que Jésus est là. Amen. C'est pourquoi la délivrance qu'on vient de, on vient de faire tout à l'heure là, ça ne se fait plus ailleurs. C'est ici que ça se passe. Amen. C'est là que Jésus est. Donc, bien-aimé, nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Amen. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Reste ferme, demeure ferme dans la sainte doctrine. Quiconque va plus loin et qui ne demeure pas dans la sainte doctrine, il n'a point Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur est avec nous. Le peuple de Yam Sokro vous salue beaucoup. Amen. Voilà. Demain, je vais faire le culte avec vous. Mais le dimanche 11, dimanche prochain, je vais sur Diekano. Alléluia. Amen. On doit commencer la cellule de Diekano. Donc, j'ai déjà appelé déjà là-bas. On a une servante de Dieu là-bas. Elle a commencé à inviter les gens. On doit commencer la cellule là-bas. C'est ça, ça le Seigneur nous a appelé. Sinon, les raisonnements humains, tout ce qui est... Non, Jésus n'est pas dedans. L'œuvre n'est qu'à avancer, c'est tout. Ces enfants qui sont dans les villages, dans les coins, doivent entendre. C'est pourquoi vous devez évangéliser. Vous devez évangéliser. Si tu veux vraiment te retrouver un jour au ciel pour adorer le Seigneur, pour être en joie, c'est l'œuvre de Dieu ou rien. Donc le Seigneur, vous qui évangélisez déjà, avant qu'il y ait échangé un peu, vous qui évangélisez déjà le Seigneur avec vous au nom de Jésus. Amen. Donc demeurez comme ça. Prenez courage. Alléluia. Amen. Après Diekano, je vais à Bokanda.
Bokanda, Dembokoro. Alléluia. Je dois faire les trois villes là. Je suis en train de prier pour ça. Que le Seigneur accorde les moyens. Voilà. Après maintenant, ces trois villes là, je vais aller maintenant à Kwasi Kwasi Kro. Voilà, pas loin de Bokanda. On appelle quelques kilomètres de Bokanda. Donc que le Seigneur nous fortifie. C'est un peu ça. Prie pour les âmes, ceux qui sont dans les villages, qui n'ont pas encore Jésus. Prie pour eux. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. À ça. Si on laisse Yam Sokro pour venir, vraiment soutenir vous, vous qui êtes ici, quand le Seigneur va commencer à vraiment se manifester en vous, vous aussi, vous devez aller pour avoir des âmes là-bas. C'est ça le Seigneur nous a appelés. Si tu as la vérité et que tu ne donnes pas la vérité là à ton frère, c'est que tu n'as pas la vérité. Parce que les gens qui vont venir, ils sont possédés, ils sont malades, qu'on va prier pour eux, brise-casse, quand le Seigneur va les délivrer, vous allez voir ces personnes-là. Ils se disent, ah, on a vu une église là-bas, là. Vraiment, le Seigneur est là-bas, vraiment. C'est tout. Alléluia. On va prendre un dernier passage, et puis on va clore. Que le Seigneur nous fortifie. Merci, Jésus. Prends 1 Corinthiens 15, verset 58. Travailler de mieux en mieux. Alléluia. Travailler de mieux en mieux. Et regardez. Travailler de mieux en mieux. Alléluia. Bien aimé, on est tous fatigués. Chaque jour, on quitte le travail. Moi, je travaille à quelque part. Je viens, je dois aussi me lever pour prier. On doit aller à l'évangélisation. Hier, vendredi, on était à l'évangélisation. On a marché pendant des kilomètres pour aller évangéliser. Alléluia. Aujourd'hui, on est venu pour la délivrance au niveau de Boisvelé. C'est ça. Demain, après le culte, je vais à Yam Sokro. Arriver là-bas, il y a autre chose encore à faire. Donc, vraiment. Relis encore le passage pour que chacun de nous puisse comprendre. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Vous voyez, il est travailler de mieux en mieux. Ce que tu es en train de faire pour Jésus, ce n'est pas cadeau, le Seigneur va te récompenser. C'est lui-même qui a dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc il ne peut pas te laisser. Alléluia. Amen. Il ne peut pas te laisser. C'est pourquoi il n'y a pas de chrétien choco en Jésus. Quand on dit on se met en genoux, on prie le Seigneur, tout le monde. Quand on dit on se lève, on prie le Seigneur, tout le monde. Travailler de mieux ça. Tu as un frère que tu as évangélisé, une sœur qui ne vient pas, prie pour la personne et encourage la personne. Il va venir un jour. Là, en février, je crois bien, avril 2023, j'étais à la servante de Dieu. On était deux à Boisvelé ici. On marchait, faisait des cuits à pied. Tellement ma chaussure avait des problèmes. À un moment donné, je suis devenu bancal même. Ma chaussure est finie. Mais bien aimé, on a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur a permis que on arrive au moins à 20 personnes maintenant au niveau de bois. On dépasse 20 personnes maintenant. Vous voyez? On dépasse 20 personnes maintenant. Donc c'est important. Donc quand les hommes de Dieu d'ici, le Seigneur dans sa grâce, quand ils vont apprendre beaucoup de choses, tu vas voir à un moment donné, je vais venir ici, mais ce n'est pas trop. Parce que je vais me concentrer sur Gekano. Je vais me concentrer sur Dembokoro et puis Bokanda. C'est ce que je vais faire. Parce que moi, regardez, si tu mets quelque chose dans ta tête, c'est en fonction de ça que le Seigneur va t'utiliser. J'ai dit, je dois envoyer plus d'âmes au ciel. Moi, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. Donc, moi, ma manière d'adorer Dieu ne peut pas être même chose comme l'autre. J'ai dit, je dois envoyer beaucoup d'hommes au ciel. Vous voyez un peu, non? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je dois envoyer beaucoup d'âmes au ciel, plus que tout le monde dans ce réveil-là. C'est ce que j'ai mis dans ma tête. Donc, quand je suis en train de prier, dis, Seigneur, quand je parle aux gens, je parle de toi aux gens, ils n'ont qu'à se donner. Voici comment moi je fais. Donc si j'ai dit ça, est-ce que je peux dormir? Non. Parce que je dois envoyer beaucoup d'hommes au ciel.
Les gens souffrent. Ils ne sont pas dans la saine doctrine. C'est pourquoi quand je monte, j'étais dans le véhicule quand je venais. J'ai parlé de Jésus à une sœur. J'ai dit, tu es chrétienne. Elle dit, oui, je suis accepté Jésus. J'ai dit, mais tu sais que tu n'es pas encore chrétienne. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, les mèches. Mais il y avait des voisins qui entendaient ça, mais personne ne peut répondre. Il dit, si tu es chrétienne, que tu mets ça, tu meurs, tu vas à l'enfer. Donc j'ai parlé comme ça. Mais il y a des candidats, je sais qu'ils sont chrétiens, mais ils ne peuvent pas. Parce que jusqu'à quand je commence une phrase, le Seigneur m'inspire à donner au moins 3 à 4 versets. Or, la majorité de ces chrétiens-là, ils ne se promènent pas à la Bible. Donc ils savent que s'ils commencent à aimer, quelqu'un qui prend les passages dans sa tête, là, est-ce qu'on va pouvoir? Donc, bien-aimé, ce soir, ce que nous devons retenir ici, c'est que travaillons de mieux en mieux. Ce que nous devons retenir ici, nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous ne devons pas laisser distraire. On est dans les derniers temps. Et notre Seigneur, il y a tous ceux-là qui viennent dans ce réveil-là. C'est les gens qui cherchaient Dieu là-bas et puis le Seigneur les a envoyés ici. C'est comme ça. C'est pourquoi il faut prendre le réveil-là comme l'œuf. Voilà, pour prendre ça, vous dites vraiment, c'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. On doit prendre soin de ça. On ne doit pas permettre que quelqu'un parle mal de ce réveil. On ne doit pas permettre ça. Donc vraiment, le Seigneur vous fortifie ce soir et que le Seigneur nous garde. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. On va prier pour le culte de demain. On va prier pour le culte de demain. Élève la voix.